Y'a de la lave dans le sang de Pokémon! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'apocalypse! Elle a l'air complètement gogole, elle louche. Lucille! Tu dois partir! Non! Je vais me sacrifier pour mon enfant! Lucille, non! Waouh! Trop stylé la chambre! Regardez, il y a un lit, ma grand-mère a une chambre. C'est fini, y a plus rien à dire, y a plus rien à faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cubug? Il est laid! Tu as du potentiel. Ouais, c'est ce que disait ta mère. Ce mec m'énerve. Je suis désolé les Théo, hein. Vous avez été nombreux à râler, mais en même temps, regardez qui vous représente. Hein. Je m'appelle Théo et je suis trop fort. Putain, je dois refaire la cave. Ta mère. J'adore les caves. Y'a plein de Pokémon poison dans les caves. L'évolution, vous êtes prêts? Niveau 16. Yeah! Même mon évolution. Une fourmi rouge! Oh! Mais ça fait trop mal les fourmis rouges! Ça se met dans tes slips et tout. Et ça pique! Comment je vais faire en vrai pour gagner? Grâce à Patou, le roi des Pokémon! Quelle horreur! Icons utilise Bit. C'est très efficace sur vos mères! Et voilà. Non! Non! Allez, viens, Fifou! On part à l'aventure tous ensemble! C'est super! Bah alors, Théo? T'as peur? Déjà trois. Mais je veux pas! Je veux pas ton numéro, putain! Salope! Ah! Eh bah, tu sais quoi, meuf? Ta petite sœur là, tu vois? Quand elle aura 18 ans, ce sera une grosse cassos. Elle couchera avec tous les mecs de la terre et elle souffrira beaucoup! Et voilà! Et c'est bien fait pour toi! J'ai envie de les tuer, j'ai envie de casser mon ordi, j'ai envie de casser ta mère. Évolution! Allez! Oh non, pitié, pas Théo. Non, 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 je ne vais pas à la centrale nucléaire, s'il te plaît. Non! Théo, tu te casses, tu t'en vas! Théo, je ne t'aime pas, t'es moche, t'as une sale gueule, t'as tes cheveux là, putain, on dirait un vieux malabar bigou là. On va l'appeler Fukushima. Mais non, mais oh putain, ça passe Fukushima. On va sortir. Hein. Le marin s'est pendu! Non! Marin! Oh mon dieu, il y a une église, je me casse, hop. Et cher jeune, je voudrais te dire que si un jour tu as utilisé Pokémon, alors bien sûr, tu vas pas t'inquiéter parce que tu as un sauveur qui s'appelle Jésus. Qu'est-ce que c'est que ça évolue? Qu'est-ce que c'est que ça évolue? Alors j'ai pas regardé à quoi ça ressemblait, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah il porte bien son nom. Mais non, mais si je l'appelle Grosse Bite, c'est pas drôle. Pourquoi je rigole à ça? On va pas l'appeler Grosse Bite parce que ce serait triste. Mais Tikiki Grosse Bite, c'est vrai que c'était pas mal. Non, on va l'appeler Falouze. Avec DJ Léon à l'accordéon! Ah! Cette vie m'insupporte. Oh mon dieu, un trou! J'aime les trous! J'aime tomber dans les trous! Tomber dans les trous, c'est tellement agréable! Oh mon dieu! Oh des chinois! Non, pas des chinois, des chinois. Des ninjas surfeurs!
Oh, Fidron, t'es vraiment raciste, hein, moi je suis chinois et je suis pas japonais, faut pas confondre les ninjas. Qu'est-ce que ça t'inspire, Falouz, toute cette situation? On va tous mourir et tout le monde s'en foutra et mettra des pouces bleus. On m'a dit que Théo grandissait. Alors déjà, t'as toujours le mec look de Fion. Ça veut dire que... je vais vous mettre une petite comparaison. Vous prenez un trou des fesses et Théo... Quelle est la différence? Je l'ai traversé, c'est un putain de spectre! Il m'a confus. Falouz. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Et je reste planté là. Ah, c'est quoi? Oh mon dieu, mec, t'es tellement laid. Mais coupe-toi les cheveux. Sois chauve, je sais pas. Mais fais quelque chose. Putain. On dirait. Comment il s'appelle l'autre là? Sylvain Duris. Mais c'est tout à fait lui. Oh. C'est plus... Oh, écoutez, quel kiff! Oh, oh! 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 Oh, il s'est fait couper la tête! Mec! Ta tête! Qu'est-ce qui... Ah, c'est bon. Moi, j'ai eu peur. Hurlement? Sur qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu paries... Alors, vous pariez qu'il a volt absorbe? Ce serait correct que tu rates, je pense. Ça nous ferait tous plaisir, promis. Je... Hein? Hein? Est-ce qu'il vient sérieusement... Quoi? Est-ce que tu viens... Est-ce qu'il a sérieusement... Un pyroli avec sécheresse, mais c'est illégal. Mais c'est de la triche. Mais non, mais attendez, je suis pas du tout d'accord. Mais c'est pas possible, ça n'existe pas ça dans stratégie Pokémon. Moi j'ai des yeux de chinois, donc ça marche. C'est pas raciste si je le fais parce que j'ai des yeux de chinois. Oh là là, le vent violent. Wouhouhou. N'importe quoi ce... N'importe quoi cette attaque. Quantum loot. Quantum ploup. Bref. Quantum out. Petite référence. Abusé. Je vais tellement chier, putain. Ce jeu. La fin de ce jeu. Mais putain, je suis en train de me faire défoncer par un putain de dresseur normal, quoi. T'en tiens deux. Il en tient pas deux, le Falouz, hein. Ah bah oui, il est plus rapide que moi. Ah bah tiens. C'est étonnant ça, dis donc. Oh, mais c'est abusé, c'est trop dur ce jeu. Vous pensez que je peux passer lui là? Hey Fifou, bonsoir, c'est Brandon. Mais ta gueule Brandon, je m'en fous de ta vie. Le mec il me téléphone pour me casser les couilles. Y'a de la lave dans le sang de Pokémon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'apocalypse. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, on est dans une arène de lave. Mais ça va, vous avez pas trop chaud les mecs? Vous savez, la lave c'est chaud, hein. Ils s'en battent les reins. Le mec il est habillé comme en hiver. Easy. Destiny Bond était mort au prochain tour. Alors Rurain? Ah bah oui. Ah bah oui, t'es niveau 85, tu meurs contre un Pokémon niveau 30. Je crois que je vais laisser le mot de la fin à Falouz. Falouz, as-tu un dernier mot à nous dire pour finir? Falouz, à toi.
Maintenant je vais mieux, j'ai retrouvé le sourire et c'est grâce à vous. Non c'est faux, je suis enfin débarrassé de ce boulet, je vais pouvoir pourrir dans mon coin. Adieu. Oh Patou, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Patou, si je pouvais changer le passé, te retrouver. J'ai voulu faire confiance au viewer, quelle arrogance. Dans la boîte, tu disparais, même si je voulais pas te laisser.